une partie du monde dort. Tais-toi, tu vas pas faire des choses la nuit. Ce serait ridicule. On peut travailler la nuit, mais ce sera un travail bête, car c'est la nuit. Et si on sort la nuit, c'est qu'on est bête, qu'on n'est pas rentré assez tôt, ou qu'on est dangereux. La nuit, c'est dangereux. Sortir, c'est dangereux. Attention, surtout si les gens se réunissent. Mais les gens seuls aussi, faut faire attention. C'est pour pas être vu, forcément, la nuit. C'est louche. Et la nuit, d'ailleurs, c'est pas fait pour être vu non plus. C'est pas contemplatif. C'est pas un coucher de soleil. C'est pas un panorama. T'as même pas un télescope. Tu me dis les étoiles, tu les connais, les noms des étoiles? Tu es un spécialiste des étoiles? Sinon, tais-toi. Tais-toi, ou je te cite toutes les constellations, je te les chante, je te les répète jusqu'à ce que ça rentre. Et pendant ce temps, je te donne rien à manger. Tu dormiras pas et tu mangeras pas tant que tu les connaîtras pas, les noms des étoiles. T'entends? Nous nous adaptons, c'est terrifiant. C'est la nuit, c'est terrifiant. Il faudra être moins doué, malléable. Il faudra être de la pierre, tous, des vieillards de l'adaptation, pour être moins multiples, dormir toute une partie du monde ensemble. Ça permet de séparer l'autre partie, de la séparer pour de bon. Il y a la lumière et il y a le noir. Ce n'est pas pareil, je le vois bien. L'école nous apprend à reconnaître les choses par la vue. Je ne suis pas aveugle. La nuit, c'est pour les hétérocères et les chouettes.